Coucou! Alors, je reviens aujourd'hui avec un album que j'aime beaucoup et qui se prête bien au temps de la rentrée. Il s'appelle Léo, c'est une histoire de Robert Cross et c'est aux éditions École des loisirs. Donc, à travers ce livre, on va partir à la rencontre de Léo, un jeune lionceau qui a une particularité. Il met plus de temps que les autres pour apprendre les choses. Donc Léo, au début de l'histoire, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas dessiner, il ne sait pas parler, il ne sait pas manger proprement. Tout ça, ça inquiète beaucoup son papa, qui va user de différentes stratégies pour observer son fils et guetter le moindre progrès. Sauf que les progrès n'arrivent pas aussi vite que son papa l'aurait souhaité. Alors Léo va-t-il réussir finalement à apprendre à lire, à écrire, à dessiner, à manger proprement et à parler? Vous le saurez en lisant ce bel album Léo aux éditions École des loisirs. Alors ça se prête bien au temps de la rentrée et puis ça se prête bien pour garder en tête l'idée que chaque enfant est différent et que finalement il apprend à son propre rythme. Voilà, ça c'est un album plein d'empathie, plein d'espoir et de positivité qui fait du bien à toute la famille. Bonne lecture !